Les noms masculins, deuxième partie. Alors, les noms suivants sont toujours des noms masculins. Les noms des langues, tels que le français, le japonais, le chinois, le hollandais, l'anglais, ainsi de suite. Et aussi les noms des pays se terminant par une consonne ou une voyelle, tels que le Canada, le Japon, le Portugal, le Niger, le Maroc, le Sénégal, ainsi de suite. À très bientôt avec la troisième partie des noms exclusivement masculins en français.